Salut à tous, c'est Néo. Donc là, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve du coup pour un tout nouveau glitch de merge pour pouvoir modder du coup tous ces avions et tous ces hélicoptères en même pas 5 minutes. C'est hyper simple à faire, ok? Donc en tout cas, avant ça, un grand merci à vous tous. Pour les 28 400 abonnés, c'est juste énorme. Gourush, les 28 500 abonnés. Donc, pour commencer, faudra commencer par être en session sur invitation ou en session publique, peu importe, avec un mode de visée libre ou un mode de visée assisté, peu importe. Les deux modes de visée marcheront, ok? Vous devrez du coup aussi avoir le sous-marin pour réussir le glitch. Donc le sous-marin, on le trouve sur le site Warstock, ok? Et il est au prix de 2 millions de dollars, donc vous l'achetez, voilà. Donc il faudra avoir le sous-marin obligatoirement pour réussir le glitch. Faudra du coup aussi avoir un avion ou un hélicoptère que vous voulez modder, ok? Faudra aussi avoir soit le terabyte ou soit le centre, ok? Donc si vous voulez mettre le modage de votre terabyte sur l'un de vos avions ou sur l'un de vos hélicoptères, là vous allez prendre le terabyte, ok? Et ou l'inverse, si vous voulez mettre le modage de votre centre sur l'un de vos avions ou sur l'un de vos hélicoptères, vous allez prendre du coup le centre pour faire le glitch, ok? Donc moi perso, je prends le terabyte, d'accord? Donc une fois tout ceci préparé, c'est parti, let's go! Allez hop, donc là pour commencer, vous allez faire une petite manipulation hyper simple. On fait le pavé tactile, on va dans véhicule imposant. Et du coup là on commande notre sous-marin. Ensuite directement après on fait le pavé tactile, on va dans véhicule. Et là on commande que soit notre hélico ou soit notre avion qu'on veut modder. Ok, donc moi perso je commande mon laser. D'accord? Une fois qu'il a spawn comme moi sur la map, là on va se diriger vers lui. D'accord? Donc là vous allez voir que moi perso mon avion il est en gris avec des roues F1 en bleu. Du coup on retient bien ce modage de mon avion. D'accord? Donc là vous avez vu, boum, il est bien en gris avec des roues F1 en bleu. Donc on retient bien le modage de l'avion. Ok? Donc on retient bien ce modage là. Ensuite on monte dans notre véhicule. Ok? Et ensuite, on commande du coup soit notre terabyte ou soit on commande notre centre, ok? Donc moi perso, je vais commander du coup mon terabyte pour mettre du coup le montage de mon terabyte sur mon avion. Du coup, c'est parti, on fait le pavé tactile, on va dans véhicule imposant et du coup, on commande soit le centre ou soit le terabyte. Du coup, hop, moi je commande mon terabyte, nickel. Ensuite, du coup, on touche plus à rien et vous allez voir que normalement, là on touche pas à rien, vous allez voir. Hop, dans quelques secondes. Vous allez voir, boum, vous avez vu? Là, c'est pas une coupure, c'est vraiment sans coupure. Du coup, mon avion s'est bien modé, vous avez vu? Il s'est téléporté à l'endroit de mon terabyte. Il a pris du coup le modage de mon terabyte. Donc voilà, c'est magnifique. Avant, il était en gris avec des roues F1 en bleu. Et maintenant, il est en or avec des roues F1 en or. Donc c'est vraiment magnifique. On fait ça même pas 5 minutes. C'est vraiment hyper simple à faire. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner. Gorosh, les 28 500 abonnés. Oh, du coup, en tout cas, je voulais donc sur ce gameplay, donc sur ces images, c'était Néo. Allez, ciao!